Coucou tout le monde! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo achat AliExpress, mais honnêtement, je vais pas vous montrer que ça. J'ai également fait quelques petits achats chez Craftelier et sur Vinted également, donc j'ai décidé de tout vous regrouper dans cette vidéo. Donc, on va d'abord commencer par AliExpress. Ensuite, on fera Vinted et on terminera par Craftelier. J'ai même pas encore ouvert les cartons, c'est pour vous dire. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté ces derniers temps sur AliExpress? Alors, je suis en train de me faire en fait tout un kit de base, on va dire, nécessaire en scrap. Donc, on commence. Alors, j'ai acheté ceci. Donc, je l'ai même pas encore ouvert, je m'en suis pas servi, j'ai vraiment reçu ça là récemment. C'est en fait un espèce de kit de base pour faire toutes sortes de breloques, toutes sortes de charmes pour vos junk également. Donc, on a des accroches comme ça en goutte, on a des pinces, des petites épingles, voilà, on a vraiment tout. Il y a différents coloris, moi j'ai pris ce coloris-ci parce qu'il faisait un peu vintage en fait, il fait ancien. J'ai acheté, vous savez, les petites boîtes chez Action pour ranger toutes sortes de choses. Je les voulais depuis très longtemps, hein. C'est les boîtes qu'on trouve au rayon outils. Parce que les boîtes un peu dans ce style-là au rayon loisirs créa me plaisent pas, elles sont trop grosses, celles-là sont vraiment bien. Et du coup, donc toujours chez AliExpress, j'ai acheté ce lot de perles que voici. Je vais peut-être rajouter un éclairage pour que vous voyez mieux. Attendez. Ah bah oui, là vous voyez mieux. Voilà. Donc dans ces tons-ci, j'aurais dû allumer ce projecteur depuis le début, mais je crève de chaud. Donc on a ce lot de perles là. Ensuite, j'ai également pris un lot de perles comme ceci. Donc des roses et des blanches de toutes les tailles. Par contre, je suis désolée, mes ongles, c'est une calamité. C'est la honte. Hein, je ne vous le cache pas, de filmer avec des ongles pareils. Mais en fait, c'est du semi-permanent que j'arrive pas à retirer. Donc, flemme d'aller me le faire enlever, je vous le cache pas. J'ai essayé, je le gratte. Et bon, voilà, ça donne ce truc franchement dégueu. Faites comme si vous n'aviez pas vu, hein. On n'est pas là pour ça. Même moi, franchement, ça me dégoûte de voir ça. Mais bon, bref, passons. Donc voilà, vous avez ces perles-ci. Vous avez également des perles tibétaines. Tout un lot de différentes tailles, de différentes couleurs que voici. Ce type de perles. On a également du bleu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Berlioz? Il y a mon chat qui n'est pas content. Parce que je fais des choses sans lui accorder de l'importance. On a également cette taille-ci, toujours dans les bleus turquoise. On a également des perles de ce style-là. J'ai pris ça ne sont même pas différentes, c'est toutes les mêmes. Vous savez, les épingles comme ceci. Alors, le défaut, c'est qu'elles arrivent pour la plupart tordues. C'est gênant. C'est chiant. Je ne vous le cache pas. Toujours dans les rosés or et blanc, il y a également ce lot de perles-là. Très joli. Différentes tailles, différentes couleurs. Donc là, on a trois couleurs. J'ai également pris ces perles-là. Je les trouve super belles. Vous voyez, dans ce style-là. Dans le même esprit, on a également celle-ci en plus grosse. Bah, c'est les mêmes, mais en plus gros. J'adore cet effet un peu marbré. Je ne sais pas comment décrire. Je les ai trouvées vraiment belles. Ensuite, on a des roses basiques comme ceci, de taille. Bon, là, elles sont un peu, sont pas complètement rondes. J'ai également pris tout un sachet d'épingles gouttes. Ensuite, dans la deuxième valise. Donc, dans la deuxième valise. Bon, ça, ce sont des petites bobines qu'on trouve chez Action. Là, c'est des boutons... Ah non, ça, c'est des boutons de chez Vinted. C'est des boutons que j'ai achetés sur Vinted. J'aimais bien les couleurs proposées. Bon, ça, vous connaissez, c'est de chez Action. Ah, j'ai également pris ça. Ça, en fait, c'est des ornements pour les bordures.
Attendez, hop. Donc ça, par exemple, sur une couverture de livre, de junk, peu importe, mettez ça sur les côtés. C'est super beau. Par contre, attention, la qualité, voilà, ça se tord. Donc le rendu est beau, mais la qualité est médiocre. Je tiens à vous le dire, mais bon, pour de la déco, voilà, pas non plus. Moi, j'allais pas mettre des milliers des cents. Hein, ça me convient très bien. Bon bah des attaches parisiennes, ça vous connaissez, je sais même plus si je les ai achetées chez Action ou sur AliExpress. Et j'ai également pris plein de petites breloques sur le thème de la couture que voici. Ça je ne sais plus si je les avais achetées sur Vinted ou sur AliExpress également. Donc on a les petits ciseaux, les petits boutons, le mètre, l'épingle, la machine à couture. Je sais qu'ils sont sur AliExpress, hein. Mais je sais que j'en avais acheté sur Vinted également, je sais plus. Là, on a également plein de breloques que j'avais également acheté, tu vas toi, que j'avais également acheté sur Vinted. C'était un lot d'une dame. On a une petite trompette, un petit cœur, je ne sais même pas ce que c'est en fait. C'est une carotte, on dirait. Une fleur, petit gouvernail. On avait différentes breloques, donc ça, il me semble que c'était chez Vinted. Bon, après, les papillons, tout ça, vous connaissez, c'est de chez Action. Ensuite, dans cette petite boîte, j'ai pris, alors ça, c'est chez AliExpress, c'est des protège-doigts en silicone pour les trois doigts. Donc, c'est les trois tailles. J'avais vu ça en fait sur Miss Miu Miu, son espèce de dé à coudre en silicone. Impossible d'en retrouver un comme ça. Du coup, j'ai vu ça. Ça fait l'affaire parce que moi, le pistolet à colle, c'est une grande histoire d'horreur. Donc, je voulais pas me brûler. Et voilà, ça, j'ai kiffé. Mais bon, c'est pas les mêmes. On verra si ça marche aussi bien. Ensuite, j'ai pris ceci parce que j'aimerais bien essayer un jour de faire un junk journal. Je n'avais pas d'aiguille, je n'avais pas ce fameux truc là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, pour percer, pour faire la reliure et également du fil. Du coup, j'ai pris ce petit kit. Il y en avait des plus grands, plus complets. Moi, celui-là me convenait amplement pour ce que je voulais faire. Mais voilà, pour moi, c'était un indispensable si je veux me mettre... Enfin, non, pas si je veux. Je vais tenter de me mettre au junk. Je vais tenter. J'ai envie, en fait, le concept m'amuse. Donc, voilà, j'ai pris ceci. J'ai pris ce magnifique petit ruban sur le thème de la couture. J'ai trouvé trop stylé. Il est trop chou. Il est trop chou. Voilà. J'espère que vous voyez que c'est pas trop flou. Mon objectif, il fait la gueule là, avec les trucs de près. J'ai craqué sur ce washi. Type washi vintage, quoi. Genre timbre vintage. Tous les motifs. Il est magnifique. Je m'en suis même pas encore servi. J'ai également acheté une plaque pour les tampons plus grande. Parce que la mienne était trop petite. Donc pour les grands tampons, il m'en fallait une plus grande. J'ai également acheté cette perforatrice pour les bords. J'aimais bien la forme. La forme était sympa. Je me suis également acheté une encre. Hein, j'en avais pas. Donc forcément, une encre Memento, la noire. J'ai également acheté ces magnifiques rubans d'organza. Donc vous avez cette couleur. J'appelle ça du jaune jonquille. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon. Et du blanc. Voilà. Très très bien. J'ai changé d'objectif. J'espère que du coup vous verrez mieux en gros plan parce que l'autre commençait à grandement me saouler. Donc vous avez... Ah, c'est beaucoup mieux. J'aurais dû commencer avec lui. J'ai pris également chez AliExpress des rubans. Alors vous avez celui-ci. Rose. Voilà ce que ça donne. Très joli. Vous avez également celui-ci en blanc. Je trouvais très joli également. Blanc cassé même un peu. Pas tout à fait blanc. Et là, vous avez exactement le même en rose. C'est le même que le blanc, mais en rose. Ensuite, j'ai pris celui-ci en rose. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer?
Voilà comment il est. Ah, il est même un peu élastique, super. Très joli. J'ai également pris celui-ci qui était pailleté. Trouvé assez sympa aussi, ça fait un autre style. Un autre style de rose aussi, un peu plus flashy, un peu plus rose poupée. J'ai également acheté ces élastiques. Alors ça, il me semble que je l'avais acheté sur Vinted. Ouais, du ruban élastique, une espèce de vieux rose. Ouais, rose pâle, un vieux rose. Pour moi, c'est vieux rose, ça. Donc élastique. Ça, il me semble vraiment que c'était sur Vinted, hein, pas sur AliExpress. Ouais, donc ça, pareil, ça aussi, c'était sur Vinted. Voilà, c'était des rubans élastiques. Les blancs. Ça ressemble d'ailleurs un peu au motif que j'ai pris finalement sur AliExpress. Hein. Je suis en train de me demander si c'est pas les mêmes. Non, je crois pas. Parce que je suis tellement tête en l'air, je serais capable. Hein. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Allez, on va passer au tampon. Alors, en termes de tampon, j'ai tout rangé dans cette pochette. Super pochette. Je l'avais reçue avec un tampon. Et au final, j'ai mis tous mes tampons. Donc, eux, ils viennent tous de chez AliExpress. Donc, vous avez celui-ci. Ça faisait un bail que je l'avais repéré. Alors par contre, je suis pas très originale. Tous mes tampons sont des tampons sur le thème de la couture. Et là, ça commence à arriver aussi ceux sur la gourmandise. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Mais là, c'est surtout tout sur le thème de la couture. Parce que c'est le thème couture, mode, Paris à l'ancienne. C'est tout ce que j'aime. Du coup, voilà, j'ai pris ce tampon-là. Et les dyes, ce sera pareil. Hein, c'est dans le même thème. J'ai pris également ce sublime tampon. Avec la vieille machine à coudre. Petit ticket. Ciseaux. J'adore ces ciseaux. J'adore. La bordure en haut. Je les trouve sublimes ces tampons. On a également ça. Donc, pareil, tout un assortiment sur le thème de la couture. Je les trouve trop beaux. J'adore. On a également celui-là. Bah, je vous dis, hein, c'est thème couture. Rendez-moi ça comme ils sont beaux ces tampons. Donc tout ça, c'est AliExpress. Hein. Magnifique. Alors ça n'a rien à voir avec la couture. Mais dans l'univers un peu steampunk, tout ça. Enfin moi en tout cas, ça me fait penser à du steampunk. J'aimais beaucoup. J'ai également pris... jamais c'est dans quel sens. Ça, c'est du texte et partition de musique en tamponnage. Voilà. On rebascule dans la couture avec ce superbe tampon-ci. Bon, c'est superbe, il y en a deux. Une bordure, on a trois. Une bordure effet couture. J'adore. Et celui-ci. J'ai un doute affreux si... Non. C'était pas... J'ai un doute si c'était pas chez Action. J'ai un petit doute pour celui-là. Petit doute. J'ai également pris ce tampon-là. Alors, je sais qu'il est chez Stamperia. J'ai été éduquée par ma copine Didi Scrap que voilà, AliExpress c'était pas bien avec les contrefaçons, nanana. Je suis d'accord sur l'idée. Je suis vraiment d'accord. Sauf que bon, je suis allée voir effectivement sur Stamperia parce que j'ai acheté des trucs sur Stamperia. Franchement, ils se touchent un peu la nouille, je trouve, au niveau des prix. Pour moi, c'est pas possible financièrement. Et je sais que peut-être acheter chez AliExpress, ça n'aide pas les créateurs. Effectivement, ça casse leur business parce que j'ai vraiment vu exactement les mêmes tampons chez Stampera. Donc, c'est concrètement une pure copie de chez Stamperia. Mais les prix n'ont rien à voir. Donc, écoutez, moi, je suis désolée, mais les créateurs de scrap, tout ça, revoyez un peu vos prix parce que voilà, ça reste des tampons. Ok, les designs sont magnifiques et tout, mais je pense que vous abusez un petit peu quoi sur le fait que le scrap, ça commence à se démocratiser de plus en plus. C'est une passion qui coûte cher.
comme me dit toujours mon ami, et je suis vraiment d'accord. C'est pour ça que moi, c'est Action et AliExpress. Et tant pis pour le copyright, tant pis pour tout ça, mais franchement, quand je vois les prix, je peux juste pas abdiquer et me soumettre, quoi. Si ce n'est pour peut-être certains articles, mais pas surtout, quoi. Donc là, je suis désolée. Le tampon, il est très très bien. Je peux pas payer. Je sais plus combien coûte le vrai tampon Stampara, mais bon, à un moment donné, il faut un petit peu redescendre sur terre. En tout cas, c'est mon avis. J'ai également pris ces dies aussi sur Ali. Donc ça, c'est pour faire des découpes tickets. Donc vous avez trois dies comme ceci. Il y a ce dies-là pour une bordure, une déco. Enfin voilà. Je l'aime beaucoup aussi. J'ai pris des petites damoiselles. Donc ça, pareil, hein, je crois que c'est une imitation d'une marque connue. Je ne sais pas laquelle pour le coup. Mais voilà, enfin. À un moment donné, pas les sous, pas le budget, quoi. C'est bon. Je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Je peux comprendre que certaines ne veulent pas justement engraisser la machine AliExpress ou quoi. Mais franchement, à un moment donné. Bon, quand on n'a pas les moyens, ça va 5 minutes de souffrir devant les prix des grandes enseignes, quoi. Enfin, des grandes enseignes. J'entends parler des marques de scrap qui sont quand même plaisir, quoi. Donc voilà, on a ces dies de fleurs. On a également ce lot de fleurs-là. Très joli. Donc, dans ce lot, il y avait donc la bobine. Des aiguilles, la petite pelote là où on met les aiguilles, la petite mousse, une épingle, une aiguille, une bobine et son petit bouton, une bobine, un bouton, je vais à l'envers, un bouton et une espèce d'épingle. Le souci, en fait, avec certains dies, c'est que, par exemple, celui-là, je me rappelle que j'ai galéré à le faire. À la découpe, il fallait vraiment qu'il soit tout seul. Si on met trop d'éléments ensemble dans la machine, dans la Mademoiselle Toga, ça coupe pas. Il y en a certains, ils aiment rester tout seul. Ah, il y avait aussi celui-là, pardon. C'est une petite épingle avec une petite aiguille et une petite épingle goutte. Voilà. Ensuite, vous avez également ces dies là. Je trouve très 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 beau. Elle aussi, elle était chiante à la découpe. Lui aussi, ce dies, il était chiant à la découpe. Lui aussi, il était chiant à la découpe. Il y avait beaucoup de chiant. Je vais vous en mettre un autre là. Franchement, c'est mignon. C'est trop mignon. C'est trop chou. Voilà, on a cela. Là, je sais plus. J'ai dû mélanger ces ciseaux avec les petits boutons. On a également ces ciseaux là. Et la superbe petite machine à coudre. Alors attention, là c'est super fin à la découpe. Attention là de ne pas déchirer. Très très fin. Alors là, comme je vous dis, je ne sais plus qui allait avec quoi. On a ceci. Ensuite, j'ai pris ces dies là pour faire des tags et des pochettes à tags. J'ai pas encore testé, mais j'étais curieuse. Donc voilà, c'est pas un grand format. Hein. Vous voyez ma main à côté. Ça, c'est pas très grand. Hein. Donc voilà, ça à tester. J'ai également pris celui-là. Donc pareil, pour faire une pochette à tag, mais d'une autre forme. À voir. Il y avait également ce joli die-là pour faire des fonds. Sympa. On ne sait pas si c'est des fleurs ou des flocons. Du coup, ça peut passer un peu partout. Et du coup, on en a terminé avec les dies, les tampons. Du coup, on va ouvrir ensemble mes colis Vinted. Franchement, en plus d'habitude, les colis, je saute dessus. Mais là, comme je savais que j'allais vous faire une vidéo. Ah, donc ça, c'est. Ah, j'avais trop hâte. Ça, c'est de chez Vinted. Ça, c'est Vinted. J'ai acheté. Un lot en fait, enfin c'était même pas un lot, mais bon, au final, elle me l'a vendu en lot parce que c'était la même vendeuse. J'ai un amour pour ces petites bonnes femmes.
et gorgeous. C'est une passion. C'est une passion et pourtant j'en ai aucune. Donc voilà, j'ai pris le petit tampon comme ceci. Vous connaissez que la petite fille, j'ai pas besoin de vous le sortir, vous le connaissez. Donc je lui ai pris celui-là. Ah, elle est gentille, elle m'a donné ça avec. Ah, c'est trop sympa. Ah, je lui laisserai un gentil comme. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc c'est petit format. Je suis trop contente. J'ai pris celle-là, elle est trop mignonne. Ah, je lui ai pris tout son stock. En fait, j'étais vénère parce que j'en avais vu chez une autre. J'avais mis de côté et ça m'est passé sous le nez. Quelqu'un d'autre a acheté. Et c'était que des grands formats. Elle, du coup, je me suis dit non, 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 ça ne me passera pas sous le nez. Du coup, en fait, j'ai dévalisé. J'ai pris celle-ci également en petit. C'est elle. J'ai pris celle-ci. Oh, le kiff. Et en grand format, j'ai pris celle-là. Donc ouais, c'est les petites gorgeuses de chez Santoro. Je me rappelais plus du nom. Vous savez même pas comment je suis heureuse comme une enfant là. Comme une enfant. Limite, je les accrocherai à mon mur comme ça. Je les trouve tellement, tellement belles, ces petites filles. Ah, je suis trop contente. Et ouais, comme je vous dis, franchement, quand vous tombez sur des gorgeuses chez Vinted et qu'elles sont pas chères, sautez dessus, quoi. Parce que ça ne reste pas. Ça part obligatoirement. Du coup, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. On va voir ça. C'est une belle bête. C'est une belle bête. Je ne pensais pas que ça serait si gros. C'est une découpe, une machine à découpe pour les bordures. Voilà. Et donc, ça fait ces bordures-là. Oh, mon Dieu. Elle est grosse. Regardez ma main à côté. Elle est plus grande que ma main. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, ça va être beau ça. Oh, il y a bien des petites ventouses en dessous, tellement qu'il faut bien la stabiliser quoi. Oh, je suis trop gaise. Je suis trop gaise. Bon, ça coûtait un peu plus cher, vous vous doutez bien, que les petites perfos, tout ça. Passons au dernier colis, le colis de chez Craftelier. Oh, je ne vous cache pas que cette commande, c'est mon cadeau d'anniversaire de mon chéri. Alors, on a une petite carte I Love Craft. D'accord. Et on a une petite sucette en forme de cœur. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'ai pris des die-cuts. Voilà, vous la reconnaissez? La Lady Vagabonde. Donc voilà. Voilà. Bon, super, j'ai juste envie de pleurer. D'accord. Donc, le souci, c'est que je pensais que c'était des dies, mais pas du tout. Ce sont des... Oh non! Des clear die cuts. Ce qui n'a rien à voir avec ce que je voulais. Là, ce sont des tampons coupés à usage unique. Or, je voulais... La matrice de découpe en fait, vu que j'ai le tampon et j'ai envie de me taper la tête contre les murs. Oh non! Oh non! Oh, je suis dégoûtée, j'ai mal compris. Clear die cuts. En même temps, s'il s'exprimait mieux, hein, parce que pour une fille comme moi qui suis novice, tout ça c'est un peu compliqué quoi à comprendre. Donc mince! Oh! Crotte, je suis dégoûtée. Bon, on va faire comme si que j'avais pas pleuré entre la coupe que j'ai faite pour réaliser ça et maintenant, hein. On va poursuivre parce que là, je suis saoulée, je suis trop saoulée. Poursuivons. J'ai pris ce bloc, bah, Lady Vagabonde hein, de chez donc Stamperia. Attendez, vous n'êtes pas un peu clair là? Que voici! Alors, je vais vous montrer les images. Ils étaient en 30 par 30. Moi, je les ai pris en 20 par 20. Et après, je trouvais que c'était peut-être un peu grand. Ah, oh, il n'est pas trop beau, s'il vous plaît. J'ai un amour pour ce bloc. Pour ces motifs-là, en fait, tout court. Oh là là, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. C'est sublime.
vraiment beau. Ouais, franchement, cette taille-là, c'est parfait pour moi. Là. Oh là là, mais regardez-moi comme elle est belle. Je sais plus si c'est... je crois qu'elle s'appelle Les Bricoles de Louise, qui a fait un album fantastiquement beau avec ce bloc-là. Il me semble que c'est elle. Hein. Si je retrouve le lien de la vidéo... Oui, je le retrouverai. Je vous le mettrai en barre d'infos parce que sa vidéo, elle vaut vraiment le coup d'œil. D'ailleurs, tout ce qu'elle fait, ça vaut le coup d'œil. Et c'est magnifique ce qu'elle a fait avec, avec ce bloc-là. Mais pour le coup, elle l'avait pris en 30 par 30. C'est beau. Donc là, comme je vous disais, voilà. Là, quand c'est des choses comme ça, le prix, ça allait. Je ne sais plus combien c'était, mais je me suis dit, bon, c'est raisonnable pour des motifs comme ça. Encore une fois, les blocs d'action sont très, très bien. Hein. Mais là, je voulais vraiment celui-là, quoi. Enfin, celui-là. J'en ai pris deux autres. Je vais vous montrer après. Mais ça, c'est sûr que c'est pas pour faire n'importe quoi avec. Quoi. Quand on prend du papier comme ça, je vais peut-être vous baisser la lumière. Peut-être un peu clair, là. Là, c'est vraiment quand on a un projet particulier en tête. Hein. Ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas. Mais ah, ça, j'avoue, en 30 par 30, ça aurait peut-être été mieux. Mais bon. Franchement, ça va. Ça me va. Ouais, donc je disais, j'ai pas encore de projet particulier en tête, mais l'inspiration va venir, je le sens, avec des choses comme ça. C'est sublime. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, j'en ai pris deux autres encore. J'ai pris le sweetie avec les tout ce qui est cupcake, gourmandise, comme je vous disais. Il est trop beau. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh, je suis amoureuse. Magnifique. Vraiment magnifique. Celui-là, j'aurais peut-être dû le prendre en 30. Peut-être. Bon, de toute façon, ça s'est jamais gâché. Hein. Du beau papier comme ça. Ça, pour moi, c'est vraiment le type de papier qui se suffit à lui-même. Quoi. Là, y a rien à rajouter, en fait. C'est déjà tellement magnifique que ça se suffit à soi-même. Quoi. À mon sens. Hein. C'est trop beau. C'est vrai que ça fait petit. J'aurais peut-être dû le prendre en 30. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je vous dis, ça sera pas gâché. Regardez-moi comme c'est beau. Il n'y a rien à rajouter en fait. Ça me donne affreusement envie, ces beaux gâteaux. Ah, quoique là, voilà, là, ils sont en grand. Là, là c'est intéressant. Oh, c'est beau. C'est vrai que là, c'est vraiment des motifs. Bon, on ne trouve pas ça chez Action. Il n'y a pas à dire. Mais ouais, j'avais quand même espéré que c'était un peu plus gros. Oh, franchement, je pense que je me le rachèterai en 30-30. Sans aucun complexe. Et forcément, le dernier, c'est le thème de la couture. Eh oui, forcément.
vis moi mes trois passions. C'est tout ce qui est en scrap, hein. Qui me donne en tout cas envie de faire du scrap. C'est le thème couture, le thème gourmandise, pardon, et le thème steampunk. Voilà. C'est les trois choses sur lesquelles, les trois thèmes sur lesquels j'ai l'intention de graviter. Et de faire des jolies choses, j'espère. Mais en tout cas, avec du papier comme ça, ça peut pas être moche. Hein. Si je me foire avec, avec des papiers comme ça, des si belles choses comme ça, bon, hein. Je veux bien que je sois débutante, novice, tout ce qu'on veut, mais bon, là, je l'aurais vraiment fait exprès, limite, quoi. C'est trois choses. Quand je vois des cartes, thème bébé, thème jungle, tout ça, ça ne me parle pas du tout. Je trouve ça mignon, hein, mais je me verrais absolument pas faire ça sur des thèmes comme ça. Mais après, je suis pas une scrapeuse. Hein. Voilà, ça m'intéresse juste d'y toucher par rapport, je vous dis, à certaines choses voilà, qui m'intéressent. Quand c'est des thèmes qui m'intéressent, là oui, ça me donne envie de faire des créations. En fait, c'est Pinterest hein, qui m'a donné envie de m'y mettre. Bon. Oui, Elodie, je te vois faire du scrap depuis des années et j'ai toujours été en admiration totale devant ce que tu faisais. Mais pour ma part, il est vrai que j'ai commencé à m'intéresser, du moins me dire, ce serait bien que j'en fasse depuis que je me suis mis au coloriage. Alors vous allez me dire, quel est le rapport? Et bah en fait, tout simplement en regardant des vidéos de colo, bah automatiquement je suis tombée sur des vidéos de scrap. Et là, pour le coup, le fait de voir, parce que concrètement, ma copine, je la voyais jamais faire. Je voyais le résultat, c'était beau, mais je voyais pas le processus de création, en fait. Bah, du coup, ça m'a donné envie, mais c'est vrai que je trouvais pas, en fait, de thème qui me donne vraiment envie de m'y mettre. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouvais ça joli, voilà. Mais comme je vous dis, je n'avais pas de thème en tête. Et depuis que j'ai trouvé les trois thèmes qui m'intéressaient le plus... Voilà, donc tout ce qui est l'univers de la gourmandise, la couture et le steampunk, je me suis dit, mais en fait, si je fais des choses sur ce thème-là, là, oui, là, ça me donne envie. Là, ça me donne vraiment envie. Et donc, voilà, c'est en passant par le coloriage que j'ai atterri dans les vidéos de scrap et que là, voilà, en les voyant faire, ça m'a donné envie. Mais il me manquait, comme je vous dis, des thèmes sur lesquels j'avais vraiment envie de commencer mes créas, quoi. Donc voilà, et la dernière chose que j'ai acheté, enfin, plutôt que mon copain m'a offert, c'est ce massicot, voilà. Il est beau, il est rose, il est grand. Je voulais une guillotine, mais en fait, les guillotines, j'en trouvais pas qui allaient bien loin dans les mesures. Celui-là, il est à rabat, hein, donc il va beaucoup plus loin. Et franchement, ça me chagrinait. Ça me chagrinait que ça n'aille pas plus loin que... Je sais plus combien de centimètres ça allait. Je crois que ça n'allait pas plus loin que ça, que 13. Et moi, perso, c'est pas possible, quoi. Il faut vraiment que ça aille plus loin. Et je vous dis ça, voilà. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'ai la Massico de chez Action que voici. J'étais super contente quand je l'ai trouvée. En plus de ça, voilà. Elle, quand elle veut bien... Voilà, elle se détache, donc elle est grande, machin, ok, c'est super, elle était pas chère, c'est génial, sauf que c'est une horreur, n'achetez pas. Si j'ai bien un conseil à vous donner, n'achetez pas le massicot de chez Action. Ça là, c'est une chienlit, ça n'arrête pas de se coincer, du coup ça abîme le papier, ça fait je sais pas comment vous dire, mais bon, je pense que vous imaginez quoi, ça râpe. Ça a du mal, il n'arrête pas de se lever d'un côté. Le truc, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je l'ai. Voilà, il est déjà en train de me... Voilà, il ne veut plus se remettre. Enfin, c'est une horreur. C'est une horreur. Elle ne veut pas. Hein. Rentre. Voilà, c'est... Je vous laisse juger par vous-même, regardez. Voilà, c'est déjà abîmé. Encore une fois, désolé pour mes ongles. C'est horrible. N'achetez pas de massicot de chez Action. Voilà les amis. Bah, écoutez, on en a enfin terminé avec cette vidéo.
J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore d'autres petites choses, actions à vous montrer. Ce sera dans une prochaine vidéo. Je suis très dégoûtée. Encore une fois, pour ces trucs-là, j'espère que je vais réussir. J'ai envoyé un mail, du coup, à Craftelier. Parce que, comme je vous dis, là, j'ai fait une coupure entre le moment où je découvre et là, au moment où j'ai repris la vidéo, tellement que j'étais vénère. Donc, j'ai envoyé un mail à Craftelier. J'espère que c'est possible de faire des retours. Même si les produits n'ont rien, c'est vraiment, c'est moi, c'est de ma faute. Donc, écoutez, je vais voir ce qu'ils vont me répondre. Je vais essayer de bien les remettre dans la pochette et de la réagrafer, vu que j'ai enlevé les agrafes. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions. Et puis sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao !